Quand Thor nous aidait à retrouver Loki, on lui a demandé quelles étaient les menaces pour Midgard. Pardon, la Terre. Il nous a parlé d'une race ancienne, les Elfes Noirs, dirigés par Malekith. Ce dernier a tenté d'utiliser une chose appelée l'éther pour faire sombrer les 9 royaumes dans les ténèbres. Ça semblait plutôt grave, mais Thor nous a assuré que tout avait été réglé il y a des milliers d'années. Ceci dit, j'ai du mal à le croire. Longtemps avant la naissance de la lumière, les ténèbres régnaient. Et de ces ténèbres surgit Malekith, un elfe noir qui, il y a des millénaires, tenta de replonger notre univers dans la nuit éternelle des origines avec le pouvoir de l'éther, une force de destruction ancestrale infinie. Mon père, le roi Bor, vainquit Malekith lors d'une lutte sans merci. C'est une histoire qu'il racontait sans cesse, sans jamais s'enlacer, malheureusement. Au cours de la bataille, l'éther fut détruit. Du moins, c'est ce que nous pensions. Jusqu'à ce que Jane Foster, la petite amie de Thor du mauvais côté du Bifrost, remette la main dessus, réveillant une force diabolique. Avec un seul fainéant pour la défendre, et mon fils préféré en prison, Asgard était plus que jamais en danger. Thank you.
gravement la situation. Thank you.
crois. Ajouter la fuite de Malekith à sa longue liste d'échecs cuisants. Sa seule option était de demander de l'aide à son brillant frère, cruellement enfermé et oublié dans les donjons d'Asgard. Bafouant mes ordres, ils ont fui Asgard par des issues secrètes oubliées. Et ensemble, les frères veulent affronter notre pire ennemi. Let's go.
Hélas, mon fils préféré, cet homme froid, mais grand à sa façon, a perdu la vie pour boucle d'or le manieur de marteau. Plus par chance qu'autre chose, mon bon Arien de fils et sa petite amie ont réussi à regagner la terre et à rejoindre leur soi-disant ami. Ils ont concocté un plan dont dépendait l'avenir même de l'univers. Thor, vous êtes là ? Vous avez disparu des radars depuis un moment. Nos capteurs ont repéré une énergie anormale près de votre position. C'est vous qui faites ça ?
dépassait tous les obstacles. Le bon Arien a gagné en faisant le sacrifice de son formidable frère. Quel lamentable gâchis! Si seulement Loki avait vécu pour diriger Asgard, quel souverain il aurait fait, glorieux et chargé d'une glorieuse tâche. Merci d'avoir sauvé votre héros, les héros. Excelsior!